ta thèse, c'est sur l'investissement dans le capitalisme. Alors oui, donc la première chose à, à développer serait sur l'utilisation du concept de capitalisme au pluriel, capitalisme avec un S. Alors ce qu'il faut noter d'abord, c'est que c'est une thèse de philosophie qui traite de la politique, mais qui va se construire à partir de savoirs qui sont développés par les sciences sociales et particulièrement une école euh, d'économie qui est en lien avec les sciences sociales, qui s'appelle l'école de la régulation, qu'on appelle aussi la théorie de la régulation. Alors, le concept de capitalisme au pluriel est un concept développé par cette école ou cette théorie de la régulation. La première chose à noter, c'est que cette pensée des capitalismes s'inscrit en continuité, mais aussi en rupture avec Marx. Qu'est-ce qu'on garde de Marx On garde l'idée que... Le capital ou le capitalisme est un rapport social. Et donc il y a deux idées fondamentales qui suivent cette idée-là. La première, c'est que le capitalisme est en lien avec l'économie de marché, donc les processus d'échange qui vont passer par le marché. Mais pour définir le capitalisme ou les capitalismes, l'économie de marché n'est pas suffisante. Il faut aussi une deuxième caractéristique qui Est le rapport hiérarchique qui va prendre la forme dans le capitalisme industriel du rapport salarial, c'est-à-dire des différences de classe sociale. Marx parle de la différence entre la classe des détenteurs des moyens de production, donc qui sont les propriétaires qui vont être les producteurs, et la classe des salariés qui vont vendre leurs forces de travail. Il y a pourtant une rupture avec Marx sur l'utilisation du concept de capitalisme au pluriel. Il y a une double rupture en fait qui va être au niveau de la compréhension de la succession historique des modes de production ou des modes de développement capitaliste et la seconde rupture, elle va être au niveau de la pensée de la spécialisation et la division du travail au niveau international surtout. Alors sur le premier point. Euh, Marx pense euh, l'agentivité du capital qui va amener à un mouvement nécessaire des investissements et du capital et qui va amener à une transformation téléologique des modes de production ou des modes de développement capitaliste qui vont se réaliser selon Marx dans la forme la plus avancée qui est le capitalisme industriel anglais. Or, on remarque que il n'y a pas de mouvement nécessaire du capital, mais que les modes de développement capitaliste ne convergent pas vers le même type de développement, donc ne vont pas converger dans l'histoire ou n'ont pas convergé vers le capitalisme industriel de type anglais. Au contraire, il y a eu des divergences au niveau des capitalismes avec des spécialisations nationales. Ainsi, le capitalisme français a été différent du capitalisme anglais qui a été différent du capitalisme allemand et aussi très différent du capitalisme des États-Unis ou du capitalisme, des capitalistes qui ont pu euh, émerger dans les pays d'Amérique du Sud. C'est ainsi qu'on vient au deuxième argument, qui est l'argument de la spécialisation au niveau international. Ce qu'on note, c'est que le processus décapitalise, et c'est pour ça que l'utilisation du pluriel est important. C'est le processus de spécialisation au niveau géographique. C'est-à-dire que les nations, et plus largement les continents, vont se spécialiser dans des types de production particulières à l'époque du capitalisme industriel, il y a une distinction qui est très claire entre les colonies par exemple d'Amérique du Sud qui vont fournir euh, des produits miniers ou des matières premières agricoles, les colonies en Afrique qui vont surtout fournir des hommes à travers l'esclavage les, les, et par exemple euh, les euh, pays centraux européens, les nations européennes, qui vont, elles, produire et ensuite redistribuer au monde entier les produits finis. Donc là, ouais, on a fini la séquence 1, okay. l'émergence des capitalismes. Ok, du coup, on fait séquence 2. Tu vois, okay. donc là, il y avait bien, euh, j'ai parlé vite fait de la régulation, ouais. et la définition des... C'était même clair pour toi qui m'as écouté, même si tu bon, avais déjà lu, etc., tu connais, mais... En gros, c'est oui, oui. pourquoi on utilise le concept de capitalisme au pluriel, l'argument historique et l'argument géographique. Alors, du coup, pourquoi, dans ce cas, tu parles d'investissement Alors, oui, pourquoi utiliser le concept d'investissement pour penser les capitalismes au pluriel Alors, bon, d'abord, on va essayer de donner une définition de l'investissement. L'investissement, c'est l'avance d'une somme monétaire qui attend un retour positif à plus ou moins long terme dans le champ économique. L'investissement, c'est un concept qui va permettre de penser à même les choix, les volontés et surtout, une chose qui est très importante, les actions de ceux qui investissent. Donc ça va être euh, ce qu'on va appeler des agencements. C'est-à-dire ceux qui investissent, c'est à la fois des humains, qui sont en lien avec des non-humains. L'exemple qu'on peut prendre, c'est euh, l'humain à l'époque du capitalisme industriel qui va euh, penser à travers déjà tous des dispositifs de calcul, des dispositifs de comptabilité qui vont lui permettre de penser l'investissement à long terme. Et à notre époque, à travers la financiarisation et le développement de, des nouvelles technologies, les décisions d'investissement vont se prendre à partir des agencements qui sont des algorithmes, ou alors des logiciels informatiques, des logiciels de trading par exemple, qui vont influencer, faire faire des actions aux traders et qui vont déterminer des choix d'investissement particuliers. Donc l'investissement est un concept, et c'est un point important, qui se distingue du concept d'accumulation. Parce que pour l'accumulation il y a un mouvement nécessaire du capital, le capital allant souvent vers des secteurs où la rentabilité de ce capital est supérieure. Quand on pense l'investissement à partir des actions et à partir des choix qui sont faits dans, les, dans des agencements particuliers, alors on se rend compte qu'il y a une certaine indétermination dans les choix d'investissement et que euh, on peut connaître des diversités de choix d'investissement, par exemple, selon les agencements, selon les classes sociales, selon les nations, selon les continents. Et donc, ça nous permet de construire une histoire beaucoup plus complexe pour notamment expliquer la spécialisation des capitalismes au niveau international. Penser à partir d'actions et de choix particuliers d'investissement dans les agencements permet de laisser plus de place à l'indétermination qu'il peut y avoir dans les actions d'investissement et de bien noter les spécificités d'investissement qu'il peut y avoir selon les classes sociales, selon les agencements particuliers selon les nations ou même selon les continents. Cela permet de mieux comprendre et de mieux décrire la spécialisation que certaines nations, que certains continents ou que certaines classes sociales peuvent avoir dans la construction des capitalismes au pluriel. Je, je développe un dernier truc, les, les, six, formes, les six catégories de l'investissement. Okay. C'est le petit dernier truc. C'est pour cela qu'on va distinguer six catégories d'investissement. Trois catégories sont liées aux objets de l'investissement, c'est-à-dire vers quoi vont se diriger la, les investissements. Donc, ces trois catégories, ce sont les investissements dans les biens et services les investissements dans la sphère humaine. Et les investissements dans la terre. Et les trois autres catégories vont être liées aux conditions socio-techniques de l'investissement. Ça va être l'investissement productif, l'investissement financier spéculatif, et les investissements de forme, c'est-à-dire les investissements qui sont en lien avec l'État, à la fois au niveau des infrastructures, mais aussi à la fois au niveau des catégories. Est-ce que tu peux revenir sur le lien entre euh, l'économie et les non-humains Alors ce lien entre l'économie, pensé à travers la question de l'investissement et les non-humains, et plus largement le lien entre l'économie et l'écologie, c'est un point extrêmement important de ma thèse, en effet. Parce que l'économie, c'est la thèse que je vais défendre, c'est cette science, c'est l'économie, cette science qui a été théorisée à partir des physiocrates, on va dire, mais c'est aussi la pratique que je comprends à travers les actions d'investissement par les propriétaires terriens, par les entrepreneurs, par les fermiers capitalistes, si on reprend l'exemple des mercantilistes. Donc l'économie comme pratique théorique et comme pratique, c'est cette économie qui a pris en charge dans les sociétés capitalistes la politisation des non-humains. Qu'est-ce que ça signifie C'est l'économie, comme pratique théorique, je répète, et comme pratique, qui a fait entrer dans la sphère politique des non-humains particuliers, par deux moyens. Le premier moyen, c'est la production de non-humains le second moyen, c'est la marchandisation. donc, l'économie a politisé le non-humain à travers la production en augmentant énormément dans les sociétés capitalistes, dans les capitalistes, la prolifération de non-humains. c'est pour ça qu'on peut parler dans les sociétés capitalistes de prolifération de non-humains au niveau des structures productives. Ce qui fait une différence très forte entre les sociétés capitalistes et les sociétés anticapitalistes. Et c'est à partir de cette production accrue que va se développer la politique dans les sociétés capitalistes. La redistribution même, la redistribution des biens ou la redistribution à travers l'imposition et les droits sociaux, se fait toujours à partir de cette production qui est un acte politique. Et c'est à travers toujours l'investissement qu'on peut développer de nouvelles productions. Le second point, c'est la marchandisation. C'est aussi une manière de faire entrer dans la sphère politique les non-humains à travers l'échange. C'est pourquoi on peut dire que l'économie dans les sociétés capitalistes a été la science et les pratiques les plus encastrés par rapport à la terre ou par rapport à, aux non-humains. C'est pourquoi je m'éloigne de la thèse de Karl Polanyi qui parlait dans la grande transformation d'un grand désencastrement de l'économie et d'une sorte de déconnexion entre euh, les économistes mais aussi euh, les praticiens, les investisseurs, les entrepreneurs et euh, les non-humains à travers par exemple la terre. Au contraire, ce que je soutiens, c'est que la force de l'économie vient du fait qu'elle a toujours politisé les non-humains à travers la production et la marchandisation. Si on n'a pas compris ça pour moi, et Polanyi, d'une certaine manière, avec le concept de désencastrement, ne permet pas de le comprendre, on s'empêche de comprendre ce qu'est vraiment l'économie comme pratique théorique et comme pratique. Il faut d'abord bien décrire et comprendre l'économie pour ensuite pouvoir peut-être la critiquer et dire que les processus de production et de marchandisation pourraient être faits autrement. Bon. Je, je m'arrête là. Okay. Tu as compris l'argument là Oui, okay. bon, Ça, c'est quelque chose d'important dans ma tête, c'est pour ça que je l'ai un peu rajouté, je pense que. Ouais, 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 bon. bon, là, on passe au mercantilisme, là, okay. euh, quand même, qu'il faut pas les, les... 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 Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le mercantilisme est important pour penser les capitalismes Alors, le mercantilisme est extrêmement important pour le développement des capitalismes, parce qu'on peut dire que c'est la première forme, le premier mode de développement capitaliste qui va directement suivre le mode de production féodal. Alors, le mercantilisme c'est le mode de développement capitaliste qui va donner les conditions de possibilité au développement des processus de production et de marchandisation qui sont le propre des capitalismes. C'est pour ça qu'il va y avoir une importance prépondérante du rôle de l'État dans le mercantilisme en tant qu'il va donner les conditions de possibilité au niveau des investissements de forme, c'est-à-dire par exemple dans la construction des canaux, dans la construction des routes, dans la construction des marchés, mais aussi au niveau des catégories, c'est-à-dire en harmonisant la fiscalité, mais aussi en harmonisant l'administration, si on prend la France, au niveau de toutes les provinces françaises. Ce qui est important de penser à travers le mercantilisme, c'est que l'économie mercantiliste va permettre à travers l'État de stabiliser le rapport au futur dans un contexte d'incertitude des investissements. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en harmonisant la fiscalité, les règles administratives, mais aussi en construisant des canaux et des chemins, en construisant des marchés communs. Les agencements, c'est-à-dire les acteurs économiques considérés dans les processus de production. Par exemple, tel ou tel ouvrier des manufactures qui va travailler avec telle ou telle machine. C'est un agencement particulier. Donc, dans ces agencements, pour pouvoir investir dans telle ou telle chose, dans telle ou telle machine, et se projeter dans le futur, il y a besoin de stabiliser l'incertitude. Et c'est l'État, à l'époque mercantiliste, qui va commencer ce travail de stabilisation de l'incertitude. Et pour terminer... Est-ce que tu peux repréciser le rôle de l'État pour ces questions d'investissement et de capitalisme Alors, pour bien répondre à cette question, il faut d'abord poser un problème méthodologique. C'est comment est-ce que mon approche de la philosophie va prendre en compte l'État Elle va prendre en compte l'État à partir de ses actes, à partir de ses règlements, à partir de ses actions. On va la, la philosophie que je défends, la philosophie des sciences sociales, va toujours comprendre l'État à partir de ses actions. Non pas à partir de la représentation abstraite qu'on peut avoir de l'État, mais à partir de ses actes. Donc pour le dire aussi simplement, on va pr pas prendre la question de l'État à travers sa théorisation par euh, des philosophes, par exemple à partir des, des contrats sociaux qui sont développés par Hobbes ou par d'autres penseurs. On va prendre l'État mercantiliste à partir de ses actions qui sont en lien avec l'économie. Une fois ce point méthodologique fait, on peut dire qu'il y a une double face à l'État en lien avec l'investissement. D'abord, l'État est investi par un certain nombre de classes sociales, et la seconde face c'est que l'État est un investisseur. Sur le premier point, on va prendre l'exemple français. L'État n'est pas un État qui va agir de manière complètement dissociée de la société. Au contraire, l'État, c'est celui qui va aussi refléter un certain nombre de rapports de force qui ont lieu à l'intérieur de la société. Et les actions vont nous permettre de connaître les rapports de force qui avaient lieu au sein de la société. On prend l'exemple de la société française à l'époque des mercantilistes. L'État correspond à l'alliance entre différentes classes. La haute noblesse, c'est-à-dire le roi, et le mercantilisme va avec le développement de la souveraineté absolue qui va s'allier à la petite noblesse, qui elle va investir dans les terres pour essayer de ressembler à la haute noblesse, c'est-à-dire essayer d'acquérir des titres terriens pour développer l'aspect euh, de noblesse. Mais la haute noblesse va aussi s'allier avec la haute bourgeoisie par un double mouvement, à la fois parce que la haute bourgeoisie va vouloir acheter aussi des terres pour accéder à des titres de noblesse, mais aussi parce que la haute bourgeoisie, mais aussi un nombre conséquent de bourgeois qui ne sont pas forcément extrêmement riches, vont rentrer dans l'administration de l'État. C'est-à-dire qu'il va y avoir un État qui va être investi par la bourgeoisie, cette bourgeoisie qui va être donc au service des intérêts de la très haute noblesse qui, en France, va réussir à chapeauter en quelque sorte la petite noblesse, mais aussi la bourgeoisie. Une fois qu'on a compris l'État en lien avec la société et en lien avec les classes sociales, on peut comprendre le, la seconde phase de l'État, qui est l'État investisseur. Et est, mais c'est à partir de cette inscription de l'État dans les classes sociales qu'on peut comprendre ses choix d'investissement. Et par exemple, dans le cas, encore une fois, du mercantilisme français, l'État va investir massivement dans les manufactures, c'est-à-dire développer un tissu artisanal manufacturier et proto-industriel qui va permettre de développer les exportations de la France pour gagner la guerre économique qui est d'ailleurs liée à l'époque mercantiliste avec une guerre politique ou une guerre au sens traditionnel du terme. Comme nous l'avons vu, les mercantilistes développent aussi un certain nombre d'investissements de forme sont en lien avec les règlements et qui vont passer par ce qu'on appelle la police c'est à dire l'administration à l'époque des mercantilistes ainsi les mercantilistes vont à la fois donner une impulsion aux investissements productifs dans les biens à travers les manufactures à travers L'artisanat et à, dans les secteurs proto-industriels, mais aussi donner une impulsion au capitalisme dans les investissements de forme. C'est pourquoi on peut considérer l'État à l'époque mercantiliste comme le point névralgique qui permet de comprendre, du point de vue de l'investissement, comment on est passé du mode de production féodal au développement des capitalismes.